regardez-le. Mesut Özil pourrait être sur une plage de sable fin. Mais non, il préfère le sable des camps de réfugiés en Syrie au sable des Caraïbes. Car au-delà d'être un bon footballeur, c'est aussi un homme qui essaie de rendre un peu de ce que le football lui a donné. Son conflit avec le gouvernement chinois, sa relation avec le très controversé Erdogan, l'opinion allemande à son sujet. Mesut Özil a plusieurs raisons de se faire détester par le monde du football. Mais il ne faut pas oublier à quel point il donne aux enfants et à ceux qui n'ont rien. Souvenez-vous, notre vidéo sur la rencontre entre le joueur d'Arsenal et le jeune garçon aveugle qui avait pu rêver l'espace d'un instant. Oh Mikey, both hands, both hands. You like my hair? Wow, magnifique, comme un but à la 90e minute. Au Royaume-Uni, Mesut Özil est l'ambassadeur de Rays of Sunshine, une association qui tente de financer les rêves d'enfants malades et de payer leurs soins hospitaliers. Mesut Özil vient d'un milieu pauvre et sait ce que signifie avoir peu ou rien. Alors il tente de plus en plus d'aider ceux qui sont dans le besoin. En 2018, il m'a dit « Je veux faire encore plus. Changeons la vie de 1000 enfants. Payons 1000 opérations. » J'ai dit « Cela va te coûter des millions ?» Mais il a répondu « Si je ne partage pas mon argent maintenant, quand je le ferai ? Et avec qui ? Je gagne tellement que je ne peux pas tout dépenser pour moi. Je peux te donner beaucoup plus. » Alors Özil a financé ses 1000 opérations. Il avait déjà fait don de ses gains de la Coupe du Monde 2014 pour financer la chirurgie de 23 enfants brésiliens malades. Il aide aussi régulièrement la Turquie et la Syrie avec le financement de repas. Son engagement pour la Turquie a d'ailleurs fait naître une opinion défavorable à l'égard d'Özil en Allemagne. Sa photo avec le président contesté, Erdogan, a mis le feu aux poudres. Comme beaucoup de personnes, mes origines proviennent de différents pays. J'ai deux cœurs, un Allemand, un Turc. J'ai rencontré le président Erdogan à Londres. Pour moi, faire une photo avec lui n'était en aucun cas politique. Il s'agissait juste de respecter le plus haut dignitaire de mon pays. Ce climat négatif l'a incité à prendre sa retraite internationale. Je suis allemand quand nous gagnons, immigré quand nous perdons. Je ne veux plus porter le maillot allemand. Mais ce n'est pas sa mauvaise image en Allemagne qui le fera stopper ses engagements humanitaires. Au Ghana par exemple, il a un vrai fan club. This is 100% handmade pencil portrait from graphite and charcoal pencil. Present from Arsenal Supporters Club Ghana to Mesut Özil. Yes man, he's better than she did. Il a fait envoyer via son agent 80 maillots au Ibiri Football Club. Du coup, le club ghanéen a décidé de se renommer Ibiri Özil Football Club. La classe. D'ailleurs, nous aussi, on aimerait bien avoir un club à notre nom. Bon, ça vous plaît au MyGoal FC ou pas? Ouais, ça vous plaît? Allez, on garde alors.